Il y a beaucoup d'artistes peintres qui aiment l'automne car c'est une période qui offre de magnifiques couleurs chaudes à immortaliser sur une œuvre. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous présenter ma dernière vidéo, qui est une création au pastel sec d'un paysage que j'ai inventé pour laisser libre cours à mon imagination. À travers cette improvisation, j'ai voulu créer la magie d'un lac paisible, en début d'hiver, avec un petit peu de neige, en jonglant si possible habilement entre les couleurs chaudes du jaune et de l'orange et les couleurs froides du bleu et du violet. Mes couleurs complémentaires étant l'orange et le bleu, j'ai voulu faire un tableau volontairement avec peu de couleurs et privilégier ces deux couleurs qui sont l'orange et le bleu. Si vous découvrez le pastel sec ou si vous souhaitez progresser, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Elle vous dévoilera quelques subtilités de l'art du pastel sec et comment jouer avec les couleurs chaudes et les couleurs froides pour recréer une harmonie visuelle assez unique. Alors installez-vous confortablement, préparez vos pastels et rejoignez-moi pour cette aventure artistique qui va durer environ 45 minutes. C'est bien sûr un tableau que vous pouvez essayer de reproduire à votre rythme en prenant tout votre temps et en marquant les pauses que vous pourrez juger nécessaires. Si le pastel sec vous intéresse, sachez que c'est une technique de peinture assez accessible et j'ai d'ailleurs rédigé 3 livrets numériques que vous pouvez télécharger gratuitement simplement en cliquant sur le lien directement dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous mets également quelques liens qui vous mèneront directement sur des formations hyper complètes, dédiées entièrement au pastel sec, dont une qui fait plus de 23 heures de cours, et qui vous présente tous les aspects et les techniques les plus courantes du pastel sec pour vous faire progresser et surtout pour vous aider à créer votre propre style. Donc à présent, assez parlé, je vous laisse découvrir ce tableau qui va naître sous vos yeux. Et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je réponds toujours avec grand plaisir et je vous souhaite une très bonne découverte.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.